Bonjour, je vais parler de l'épisode 8 des Gotham. Alors, épisode qui, je pense, fait un peu de remplissage entre deux arcs, c'est-à-dire, enfin, arcs. cest on a fini le Joker. Là, je pense qu'on va, vu qu'il reste que quatre épisodes, je pense qu'on va se concentrer sur euh, Walker et Bane. Donc, quatre épisodes, je trouve ça assez chaud. Enfin, pour ça, déjà quatre épisodes, je trouve ça assez court. S'il y en a, a d'autres qui sont consacrés à d'autres choses, il resterait plus que deux ou trois épisodes pour Walker et Bane. Donc euh, voilà, je pense que les quatre prochains épisodes, ça va être sur ce Walker et Bane. Déjà, je trouve c'est c'est vraiment pas beaucoup pour développer euh, Walker dont on ne sait rien et même Bane, qu'on a développé très succinctement quand même, hein, vraiment très vite. Quatre épisodes, ça me paraît un peu short. En plus, il y a plein d'intrigues. Qui sont en cours. Enfin, il y a le Gordon et Barbara avec son enfant. Il y a Penguin et Cobblepot qui doivent construire un sous-marin. En plus, le flash-forward du premier épisode, c'était, je crois, 390 jours et quelques. Et le, la série principale, enfin, l'intrigue dans le présent, c'est 90 jours de No Man's Land ou même 80. Enfin, dans ces eaux-là, moins de 100 jours en tout cas. Donc là, ça fait pas 300 jours qui sont passés. Donc c'est-à-dire que dans les quatre prochains épisodes il va y avoir un, une ellipse de 200 à 300 jours et qui se termine par une espèce d'armée qui, je pense, doit appartenir à Walker parce que si elle appartient à quelqu'un d'autre, cette espèce d'armée ou de milice, bah, en quatre épisodes, faudra introduire encore quelqu'un d'autre. Ça me paraît pas viable. Donc ça doit être Walker d'une certaine manière. Donc euh... Quand est-ce qu'il y aura une ellipse Je sais pas, je suis plutôt inquiet des quatre prochains épisodes en fait. Alors ça peut très bien se passer, mais j'ai quand même de grosses inquiétudes. En plus, 200 à 300 jours, ça voudrait dire que Barbara a couché. Donc il y a ça aussi à présenter avec Gordon qui essaie d'entrer dans la vie de cet enfant à naître. Donc c'est quand même pas de choses à présenter. Sinon cet épisode coupé en trois. Avec une partie qui pour moi est inintéressante au possible, avec d'ailleurs chacune des parties qui introduit un vilain de l'univers Batman. Alors deux qui sont connus et une qui est pas connue du tout. Il me semble qu'elle existe dans les comics, hein, le Jane Doe. Et mais ils ont emprunté un arc qui est celui des, du dessin animé. Mais j'y viendrai en dernier. La première partie qui pour moi était la, vraiment la plus passable, c'est euh, Alfred et Bruce qui euh, vous enquêtez dans les égouts. Alors tout de suite, j'entends les égouts, des types qui disparaissent. Bon, bah c'est Killer Croc. Et oui, j'ai l'impression que c'est une... leur version de Killer Croc. J'ai l'impression que ce qu'ils disent, qu'il a été changé, euh, que le type a été changé par le... la toxine du Joker. Mais je... tel qu'il est présenté, j'ai l'impression que c'est leur version de Killer Croc à eux. Alors on ne voit pas, on ne voit jamais véritablement. On le voit que avec de la, la mauvaise lumière. Rien que ça, déjà, je trouve que c'est un peu dégueulasse. Euh, donc je... voilà. On le voit pas vraiment comme ça, il n'y a pas à lui faire un maquillage de haute qualité. Ça résout un peu le, la chose, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur ce sur ce passage. Hein. Ils vont enquêter dans un égout. Il se passe exactement ce à quoi on s'attendait. En plus, avec le vieux truc de la lampe torche qui marche pas bien, Sérieusement. Ça d'ailleurs, je pense, la lampe torche qui marche pas bien, c'est vraiment juste pour qu'on puisse pas le voir vraiment longtemps euh, très bien éclairé. Hein. J'ai l'impression quand même, c'est vraiment que ça. Deuxième partie, c'est justement la Jane Doe avec donc euh, c'est Bullock plutôt qui est concerné, même si Gordon est concerné par conséquent, hein, mais c'est plutôt Bullock, puisqu'on on explore un tout petit peu le, le passé de Bullock, mais vraiment un tout petit peu. On n'a jamais vraiment tous les, les enjeux. À la fin, si on apprend qu'ils ont poussé la gamine à témoigner contre la mère parce que la mère a tué le père, mais que ah oh, comme le père battait les deux, finalement, c'était pas bien ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est assez vague, en fait, hein, parce que, en plus, on apprend ça qu'il y a vraiment à la toute fin. Donc, pendant tout le truc, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, et il faut attendre vraiment la toute fin pour avoir un peu plus d'informations. Et même là, quand ils disent qu'ils ont forcé la gamine, on sait pas précisément ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, j'ai un peu de mal à comprendre la, j'allais dire la logique, mais en même temps, elle sort d'Arkham, donc la, <laughs> la logique, c'est peut-être pas ça. Mais en gros, elle leur, elle leur reproche d'avoir fait d'elle une meurtrière. Alors je vois pas trop ce qu'elle veut dire par là d'ailleurs, et du coup, elle décide de les tuer. Vous avez fait de moi une meurtrière, du coup je vais vous tuer. Il y a un problème dans sa logique. Hein. Enfin après elle, elle sort d'Arcane et puis il y a Hugo Strange qui a fait des expériences sur elle, donc on peut accepter. Moi le truc sur le personnage de Jane Doe, en fait, j'ai pas été ultra passionné par l'histoire parce que du moment où je l'ai vu avec son masque, je savais quelle route ils allaient emprunter. Pour une raison simple, c'est qu'ils ont mélangé ça avec un épisode de la série animée Batman, dont je me souviens, alors euh, j'en garde un très bon souvenir, mais il faudrait peut-être que je le revoie, ou pas, parce que peut-être que j'en aurais plus un si bon souvenir, qui était une top modèle, alors je sais plus si c'était dans la première ou dans la nouvelle série Batman, qui euh, qui avait été défigurée et qui du coup portait un masque. Et la grosse révélation à la fin, je spoil, hein, c'est qu'en enlevant son masque, elle avait qu'une toute petite minuscule cicatrice. Et mais euh, du coup, Batman explique que ce que Robin ne comprend pas et Batman lui explique que comme elle l'obsédait sur son physique, cette petite cicatrice, il avait plus que ça à ses yeux et du coup, son visage était défiguré. Et donc forcément, je m'attendais à ça avec la fille. Dès que j'ai vu, vu le masque, en plus, on voit quand même au niveau des yeux et de la bouche, on voit qu'il y a quasiment il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien. Donc on, quand on connaît en plus cet épisode, on peut savoir à l'avance qu'évidemment, elle a rien au visage. Et en effet, quand elle lève le truc, elle a strictement rien au visage. Et d'ailleurs, c'est là que Bullock comprend qu'elle est vraiment complètement cinglée. Et ça finit un peu, voilà, C'est vraiment anticlimactique, la fin. Euh, mais bon. Moi, je m'attendais en plus, la scène où Bullock prend le visage et lui arrache, moi, je m'attendais presque à ce que Jane Doe n'ait pas de visage, en fait, que ce soit un, comme, euh, comme le Joker quand il lui a fait découper son visage, là, dans, il y, y a déjà quelques temps, dans Death of the Family. Je m'attendais vraiment à ce qu'elle soit presque écorchée quoi, je m'attendais à voir El Riser quoi, le personnage complètement écorché. Et euh, non non, euh, non non, elle a rien en fait, elle a strictement rien. Bon, Parce en plus de ce qu'elle dit, c'est elle fait pousser une nouvelle peau quoi. Et du coup, elle enlève l'ancienne. En plus, on voit du sang dessous. Donc ça donne vraiment l'impression que quand tu arraches le, le truc, il y a plus de peau en dessous vu qu'il y a du sang sous le masque, enfin justement sous la fausse peau. Mais bref, en soi, c'était pas mauvais, hein, mais je savais où ils allaient aller. Il n'y a rien vraiment de surprenant dans ce qu'ils racontent. Bon. Et la troisième partie qui était peut-être la plus intéressante, c'était l'introduction de Scarface. Alors là aussi, c'est... D'ailleurs, c'est un problème général, c'est qu'on introduit trois méchants qui sont vaincus en un seul épisode. C'est trop rapide. Les trois. Du coup, il n'y a pas le temps de vraiment entrer en détail dans chacun des trois. Déjà, le, le premier, là dans les égouts, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire. Hein. Il a été contaminé par le truc du Joker. Il est fou, il tue des gens. Bon, il a rien à dire. Jane Doe, déjà, là, c'est plus intéressant. Il y a des choses à dire. Et Scarface, là, c'était vraiment passionnant à, à exploiter. Et c'est survolé parce qu'on n'a pas le temps. On a un tiers d'épisode pour le faire. Avec justement l'ancien subalterne de Cobblepot qui lui en veut de façon assez légitime, hein, on va dire, et qui, se voyant lui-même comme une marionnette de Cobblepot, utilise une marionnette, mais reste soumis à cette marionnette. D'ailleurs, f... en plus, ce qui est bien, c'est qu'on le voit parler pour Scarface, donc on, on sait que c'est vraiment lui qui fait la voix de Scarface, parce qu'il y a parfois, certaines fois, on laisse le doute planer, et à la fin, il y a carrément le passage de, c'est plus Scarface qui parle, c'est Penn qui, qui s'exprime directement, on voit la, la voix de Scarface qui passe à la voix de peine. mais il y a qu'un tiers d'épisode pour traiter ça, c'est un peu dommage. Et en plus, euh, l'explication aussi, Cobalt le Pot qui demande comment est-ce qu'il est, que, comment est qu en vie, et l'explication c'est euh, j'étais sur la table de, de la morgue, je me suis relevé. D'accord Elle est où l'explication en fait C'est pas une explication ça, c'est ta gueule, c'est magique, c'est j'étais sur la table de la morgue et puis je me suis relevé. Franchement quand on a vu Penn débarquer, j'étais convaincu que le, ça allait, la révélation, ça allait être que en fait c'est Walker qui avait demandé à Strange de le, de le soigner pour le manipuler pour euh, atteindre Cobblepot. et euh, Riddler peut-être par conséquent. Je, je pensais vraiment à un truc comme ça. Et ensuite on va se ce qui sort, et je me suis dit mais ça va être quoi l'explication sur sa survie Et l'explication de sa survie, c'est qu'il n'y en a pas en fait d'explication, c'est faut accepter qu'il a survécu. Alors après euh, J'accepte, hein. Et je vais pas commencer à poser des questions sur la, la crédibilité des événements maintenant, mais bon. Donc pour moi c'était la partie la plus intéressante, euh, avec la fin en plus. Cobblepot qui euh, tue Scarface plutôt que tuer son que tuer Pen, son son propre homme. Et, mais à la fin, Riddler qui l'abat quand même pour une pour quand même de très bonnes raisons. Hein, euh, il était complètement cinglé, donc on peut pas forcément lui faire confiance. Voilà, donc c'est la partie que j'ai préférée quand même c'est celle-ci. Après euh, comme je dis j'ai vraiment peur pour la suite quatre épisodes parce que là je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses à dire mais qu'un épisode pour trois ennemis c'était pas viable. Donc ils s'en sont plutôt bien tirés hein, j'ai passé un plutôt bon moment devant l'épisode mais euh, ça aurait pu être bien meilleur surtout Scarface. Je pense que le personnage de Scarface avec euh, Pen comme euh, Pen et du coup ancien subalterne de Cobblepot comme euh, marionnettiste ça aurait pu être vraiment génial de, sur plusieurs épisodes ça aurait vraiment pu donner un super truc, Jane Doe aussi pour exploiter le passé de Bullock ça aurait pu être très bien mais euh, voilà euh, un épisode euh, coupé en trois et j'ai très peur pour les cas suivants parce que comme j'ai dit au, au tout début il y a quand même pas mal de choses à explorer il y a une ellipse temporelle assez conséquente donc Peut-être qu'ils vont faire une ellipse là dans le prochain épisode. Peut-être que là il y aura une grosse ellipse et que les trois prochains ils vont être repris à quelques jours à peine des euh, 390 jours. Mais voilà, je m'inquiète un petit peu. On verra ce que ça donne. Hein. Et puis en plus, je dis, il y, y a quatre jours, il faut aussi réunir euh, Cobblepot, Riddler. Il faut les réunir avec Gordon. Alors que là, ils font leur truc à eux tout seuls de leur, dans leur coin. Alors ils ont une raison de s'unir s'ils ont un ennemi commun en effet, mais il faut les réunir. Donc ça fait quand même pas mal de choses à faire. On verra s'ils réussissent à gérer tout ça ou pas. Sur ce, au revoir.